Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'exam crypto. Nous sommes le dimanche 21 juillet 2024, il est midi. On va faire un point sur la crypto ANKR. Ça fait quelque temps que je ne l'avais pas analysé sur YouTube, même si c'est une crypto que j'analyse de façon ultra régulière sur mon club l'Exa Rocket, qui est un channel Discord dont vous pouvez avoir accès en utilisant le lien que vous allez trouver en description de cette vidéo. Donc le but c'est de faire un point justement pour voir qu'est-ce que nous fait l'ANKR, quelles sont les prochaines targets, Allez. Installez-vous confortablement et on démarre mais avant je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, vue hebdomadaire, donc vue long terme sur la crypto ANKR, on démarre directement avec ce magnifique rebond et potentiel récupération de la trendline baissière. Vous la voyez ici, c'est le niveau clé qu'il faut absolument garder et récupérer. Donc là, on est dimanche, donc la semaine clôture ce soir dans 13h, même j'ai envie de dire donc là, il y a quand même des chances que le niveau clé de la trendline baissière soit récupéré. Il faut absolument clôturer la semaine au-dessus des 0,02826. Ce niveau-clé, en plus de ça, n'est pas un niveau-clé anodin. Je rappelle que c'est un niveau-clé Fibonacci qui est le 0,786. Donc c'est une zone actuellement dans laquelle on est. C'est une zone de recharge pour du long. Donc là, on est clairement en plein dans cette zone-là. Vous le voyez, on est entre le 0618 Fibonacci et le 0786, donc ici. Donc là, voilà, c'est la zone de recharge pour du long. En réalité, même ici, c'était vraiment le moment parfait. Parce que là, en réalité, on a même été chercher encore plus bas. Donc là, c'était encore mieux pour recharger pour du long. Mais en tout cas, là, actuellement, on est toujours dans des belles zones de recharge. Tant qu'on est sous le 0618, c'est-à-dire sous les 0,03694, entre guillemets, tout va bien. Enfin, tout va bien, je veux dire, on est dans une zone de recharge. Maintenant, à partir du moment où on break ces niveaux clés, ça devient quand même difficile de recharger parce que ça voudra dire que le token aura déjà récupéré, si on va chercher le 0,5 Fibonacci, un plus 60%. C'est quand même un peu dommage de rentrer en position après un plus 60% tout de même. Alors que là, on avait quand même eu des beaux euh, niveaux d'entrée ici, des belles zones de recharge. C'est quand même dommage de rentrer une fois que le train il est parti. C'est toujours le même, euh, le même truc. Hein. Vous le savez, les gens ils vont toujours FOMO. Tout le monde a peur d'investir quand on est dans le rouge, quand ça chute. Par contre, quand c'est dans le vert, tout le monde ose investir, mais c'est trop tard. Une fois que le train est déjà parti, malheureusement, c'est trop tard. On fait que courir après le train. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Fear of missing out. Donc, en fait, c'est la peur de rater le train, sauf qu'en fait, le train est déjà parti. Donc là, c'est le petit jeu des whales, well, hein, vous le savez. Les baleines et même les personnes les plus malins investissent quand on est dans le rouge, prennent leur profit quand on est dans le vert. Les débutants, eux, investissent quand on est dans le vert et se font avoir parce que là c'est là où tout le monde prend, enfin tous les baleines et tout, euh, tous ceux qui avaient été plus malins, prennent leur profit quand les débutants commencent à rentrer. Malheureusement, les débutants se font dumper le marché sur la tronche. C'est ça, c'est comme ça le jeu. Mais sur la chaîne Lexamoon Crypto, nous ne sommes pas naïfs, nous ne faisons plus ce genre d'erreur. Donc là, je sais que parmi vous, il y a toujours des débutants parce que tous les jours, je le vois avec les nouveaux arrivants. Il n'y a pas de problème, vous pouvez arriver. Mais par contre, ces erreurs-là, je vous les ai déjà suffisamment appris. Donc n'hésitez pas d'aller regarder toutes mes vidéos formations sur mon site internet lexamouncrypto.fr. Tout est gratuit, tout est en libre accès. N'hésitez pas d'aller vous former, comme ça vous êtes sûr de ne plus vous faire piéger. Donc là... Ce qu'on disait par rapport à la crypto ANKR, c'est que là, pour l'instant, on est en train d'avoir un joli rebond et on n'est pas loin de récupérer le 0618 Fibonacci à 0,03694. Parfait. Maintenant, du côté du RSI, vous le voyez ici, on est actuellement à un RSI à 46, donc enfin, quasiment 47, mais on est toujours clairement dans une zone de survente. Donc là, c'est parfait. Tant qu'on est en dessous de 50, voire même 55, c'est parfait pour recharger. Et là, du côté du momentum MACD, on voit que on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, mais ce momentum commence à être en léger déclin. Donc ça voudrait peut-être dire que dans les prochaines semaines, parce que là vous l'avez compris, chaque bougie est égale à une semaine, je suis en vue semaine. Dans les prochaines semaines, il, il serait pourquoi pas possible d'avoir un cross pour avoir un momentum bullish et de toute façon il y a fort à parier que ce momentum bullish arrivera quand le rsi passera au dessus de la ligne orange on le sait à chaque fois qu'on passe au dessus de la ligne orange on a toujours un magnifique pump qui arrive comme c'était le cas ici comme ça a été le cas encore ici donc ça pourrait être potentiellement le cas ici encore une fois c'est pas un conseil financier c'est juste de la lecture de courbe et des suppositions ce n'est que mon humble avis Maintenant, la vue hebdomadaire, on ne va pas se mentir, elle est toujours très très propre techniquement. Vous le voyez ici, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc vous le voyez, on n'a pas perdu ce point bas ici, on n'a pas perdu ce point bas ici. Donc pas de souci particulier. Pour de la vue long terme, nous sommes toujours dans une belle petite configuration. Maintenant, là, vous le voyez, on est venu... Suite à la cassure de ce range ici, on l'a réintégré malheureusement. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe bon, en réalité, on est toujours malheureusement dans cette configuration en fait latérale. On est revenu dans ce range. Donc là, si on veut vraiment reprendre énormément de force, il faudra qu'on arrive à péter les 0,04164. Donc c'est pas pour le moment, hein, vous l'avez compris, mais à faire, à suivre. Maintenant. Là, on se met en vue jour. Et donc là, il se passe pas mal de choses sur cette vue jour. On va décortiquer tout ça ensemble. Mais je rappelle bien évidemment que pour trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous pouvez obtenir déjà un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, on a aussi sur mon Twitter officiel, eh bien, plein de news, plein d'alertes, plein de choses qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie et tout ce qui gravite autour. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et au passage, vous le voyez ici dans le club Exa Rocket. Ce matin, on a vu la crypto RNDR, mais on a vu aussi pas mal d'autres cryptos hein, ces derniers temps. On a vu le CKB hier. On a vu quoi On a vu aussi euh, ces derniers temps. On a vu aussi. Euh, bah, on peut se mettre directement dans le channel hein, RNDR, CKB, le flux. Le jasmin, le pendle. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le channel si vous êtes intéressé par toutes ces vidéos-là. Ce sont des vidéos qui sont en plus de ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue donc sur la vue jour pour la crypto ANKR et on voit qu'on est sur une belle configuration. Regardez ça, ici on avait formé un petit range, vous le voyez ici en vue jour. Ça c'était un range, malheureusement ce range avait été cassé par le bas ici, le 4 juillet. Boum, suite à ça, signal de vente ça crache. Puis derrière, on fait une remontada, on récupère le bas du range, on réintègre le range par le bas, ce qui est un signal d'achat pour pump. En général, on le sait, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher quoi Eh bien, le haut du range, c'est exactement ce qui s'est passé, on a été chercher le haut du range et on l'a breaké par le haut. Donc là, il faut absolument rester au-dessus de la zone des 0,03239, zone de support vu qu'on est au-dessus pour le moment. Et on voit d'ailleurs qu'on a fait la cassure, le pullback, parce que vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Cassure, pullback, on revient retester le niveau clé. Maintenant, il faut impérativement breaker la résistance qui se trouve ici à 0,03352 pour effectivement déclencher un nouveau mouvement haussier. Donc là, si jamais on a un nouveau mouvement haussier, on va voir ensemble quels sont les potentiels targets à venir chercher. Donc, déjà, on en a une qui est tout de suite là. Hein. Franchement, elle est, elle est très claire, cette target-là. C'est la zone des 0,035-07. Euh, Puis par la suite, on aura le ruban de moyenne mobile à 0036 Et ensuite, on aura ici les 0039 avant d'aller chercher les 0042 Donc là. Du côté effectivement de la crypto ANKR, on voit sur ce tracé que si jamais on arrive à péter ces niveaux clés, alors oui, on est clairement sur une configuration qui peut être assez intéressante à surveiller. Maintenant, il faut bien évidemment toujours garder en tête ce que fait le Bitcoin. Vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, tout le reste du marché crache avec le Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est en train de reprendre un petit peu de force et tant mieux. Mais il faut bien comprendre que si jamais le Bitcoin se remet à chuter, à la seconde où il chute, vous l'avez compris, tout le reste du marché chute. Allez, on continue sur une vue très long terme cette fois-ci, comme ça on termine la vidéo en beauté, on va voir les prochaines targets très long terme. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est toujours sur une belle petite trend qui est bullish, hein. vous le voyez ici parfaitement, en faisant des points bas de plus en plus haut, il n'y a pas de souci. On fait des points hauts aussi qui sont de plus en plus haut, il n'y a pas de souci. Maintenant ce serait vraiment le parfait le scénario idéal de casser ici ce dernier point haut qui est là avec la résistance des 0,06213 parce que si on forme ça ça nous permettrait d'avoir ici une tasse avec une anse sur le côté et ça ce serait une gigantesque tasse et anse à plus tout de même il faut le noter 300 la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 0,10892 donc là, vous le voyez, hein, on en est quand même très très loin. Et si on break ces niveaux clés, ça nous permettrait potentiellement de se retrouver pas très très loin de l'ancienne ATH. Donc clairement, dans les mois à venir, si on suit cette configuration, ça pourrait être des mois qui soient vraiment enfin, qui sont vraiment très 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 intéressants à surveiller. Des mois plutôt bullish. On va regarder tout ça, bien évidemment. On voit que là, du côté des bandes de Bollinger, en vue très long terme, c'est quand même très resserré ici comparé à quand on était ici, vous le voyez. Donc là, effectivement, il y a un mouvement. Plutôt explosif en cours de préparation. On croise les doigts pour que bien évidemment ce soit un mouvement bullish. Dans tous les cas, on verra ça dans les prochains mois. Il est possible qu'on ait une fin d'année très intéressante sur cette crypto-là. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, like et commenter, partager pour le référencement. N'oubliez pas le petit lien de parrainage binance si vous voulez trader cette crypto-monnaie. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, bon appétit et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao